Et salut la team, c'est Prime, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me. Nous arrivons bientôt à la fin, les amis, de cette mise à jour d'Halloween qui était quand même incroyable, puisqu'ils ont mis énormément de pets, que ce soit les pets qui étaient ici, les pets qu'ils ont rajoutés là, les pets qu'ils ont mis au fond avec les box, et enfin, les amis, les pets qui pour moi sont simplement, probablement les plus beaux de ce que j'ai pu voir de cette mise à jour. Ce sont les nouveaux chevaux, donc le cheval de joute et enfin le cheval de joute squelette, les amis. Franchement, il faut reconnaître quand même qu'il claque. Celui-là, il est hyper beau. Alors, celui-là se débloque, bien sûr, avec des Robux, hein, les amis, à l'ancienne. Et à côté de ça, vous avez le cheval de joute qui, lui, se débloque avec 150K bonbons. Alors, sachant qu'il reste que 7 jours, il va y avoir très peu de joueurs qui vont en avoir. À moins qu'il y en ait qui viennent cumuler des bonbons. Bon, moi, j'en ai que 700 parce que j'ai tout claqué là-bas la dernière fois. Et en plus de ça, ben, vous avez la petite mule qui, à mon avis, aura un peu moins de succès parce que ça, c'est pas un leg. Mais les deux legs qui sont là, et notamment le cheval de joute, à mon avis, va prendre énormément de valeur. On va jeter un petit œil sur le journal pour voir à quoi ressemble ce cheval de joute en néon. Alors, faites voir. En néon, il est rouge. Ok, il claque quand même en néon. Je le trouve super beau. Et en méga néon, encore, ça va. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Les méga néons, sauf les pets qu'ils ont mis à un moment donné, c'était pas terrible. Par contre, le cheval squelette, les amis, en néon, en violet, je trouve qu'il est terrible. Et en méga néon, eh ben, c'est toujours pareil, ça fait un peu arc-en-ciel, mais je trouve que c'est moins pire que l'autre. Donc, les amis, dans cette vidéo, malheureusement, je ne pourrai pas prendre le cheval de jaune parce que je n'ai pas assez. Mais en revanche, pour éviter de galérer à essayer d'en avoir un, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter celui-là. Et je vais essayer de trade pour obtenir justement le cheval de joute qui est ici. Comme ça, ben, ça m'évitera de galérer à avoir 150K bonbons. Parce qu'il faut réfléchir, les amis. Certains vont me dire, ouais, mais c'est cher et tout. Prime, tu te fais arnaquer. Ouais, mais regardez, les amis, 1750 Robux pour 50K bonbons. Donc en fait, en l'occurrence, ça voudrait dire que ce pet vaudrait 5K Robux. Si je lui échange un cheval, je suis gagnant quand même. Donc on va faire le test. Ça y est, on l'a passé en fly ride. Mais qu'est-ce qui claque? C'est certainement un des plus beaux pets actuellement dans le jeu. À mon avis, ça va arracher. Et surtout, notamment, ben, les deux là, à mon avis, ils vont valoir une fortune. Parce que franchement, ils sont super beaux. Pour moi, c'est de loin les plus beaux pets qu'ils aient fait depuis longtemps. Hein. On va aller voir ce que ça vaut, les amis. Je suis curieux. On passe dans le vif du sujet, les amis. Le pet vient de sortir. Je suis certainement un des premiers à l'avoir parce que forcément, il faut l'acheter. Donc, ça coûte un bras. Mais on va voir ce qu'on va me proposer. Je suis curieux. Ce qu'on va me proposer contre ce pet-là qui est juste sublime, les amis. Un capybara. Mais ça, c'est un pet qui date, ça, le capybara. Les amis, on va jeter un oeil, je me souviens plus trop. Et ouais, c'est un pet du Jungle Egg quand même. C'est un pet qui est ultra rare. Il n'y en a quasiment plus dans le jeu, mais c'est ouf. Alors là, faut le dire, les amis. Avec lui, c'est tous les jours Halloween. Dragon de lave, Ghost Dragon. Il valait 1000 Robux. 1000 Robux, 1000 Robux. Loup de lave, aléatoire. Rien que ça, les amis, c'est énorme en fait. Parce que c'est que des pets qui sont ultra durs à avoir. Mais je suis sûr que je peux avoir encore mieux. Alors, c'est pas des trades exceptionnels, les amis, mais il faut reconnaître quand même qu'ils se lâchent en légendaire pour juste avoir ce pet-là. C'est abusé, hein. C'est un truc de ouf, comme ça s'arrête plus tous les trades qu'on me fait. Ah ouais, mais il me lâche un Golden Ra comme ça au calme. Oh, les Golden Ra, les amis, il n'y en a plus dans le jeu, hein. Oh, c'est abusé! Frost Fury, my god. Il était à 800 Robux, celui-là, hein. Je suis quand même gagnant parce que le pet n'est plus dans le jeu. Je sais pas ce qu'il va faire. Il me demande si c'est suffisant. Je vais lui dire add. On va juste voir s'il va add ou pas. Si add, franchement, j'accepte, les amis, parce que les Frost Fury, il n'y en a plus. Et ça, ça va baisser en valeur. Hein. Bien sûr, le cheval, il va baisser en valeur dans les jours qui vont arriver. Là, il a un peu menti quand même sur ces adds-là. Ah, je lui demande d'ajouter des trucs qui sont un peu mieux quand même, faut pas abuser là. Je lui dis, ah, le gars il me met ses chaussettes, sa poubelle, il me met tout ce qu'il a. Un snowhole, deux snowhole, trois snowhole, les amis. Waouh! Quatre snowhole! Il m'a donné quasiment un snowhole néon, le mec. Pouah! My god! Bon, je sais que vous êtes nombreux à vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas accepté?
Bah c'est tout simplement parce que je pense que je peux avoir mieux que ça encore. Donc j'attends, je vais trouver un truc encore mieux. Je suis sûr qu'on va me proposer mieux que ça. Ça s'arrête plus, mais c'est ouf. Lava dragon, ouais mais ça c'est pas rentable pour l'instant, pas du tout. Non, non. Ah, ça envoie du légendaire les amis, mais c'est pas des légendaires super recherchés. En plus de ça, il est pas fly ride. Eh non, merci. Frost Fury Fly Ride, les amis. Là, par contre... Oh là là, my god. Oh là là, il me rembourse le pet, carrément. Et en plus, c'est un pet qui est plus dans le jeu, les amis. Ah, c'est difficile de refuser un truc pareil. On va voir s'il va jusqu'au bout de son trade. Ah ouais, là, c'est rentable. Parce que le Frost Fury, les amis, était à 800 Robux. Sa valeur a augmenté depuis le temps. Il est déjà Fly Ride, donc j'ai pas besoin de le mettre en Fly Ride. Et en plus de ça, il m'offre une potion Ride. Ou du moins une potion fly. Ah là ça vaut le coup là. Là ça vaut le coup. Le Frost Fury, un pet qui a pris de la valeur. Mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse cet échange? Et oui, je vais peut-être... Je vais refuser. Je vais refuser, je sais, je prends un risque. Mais peut-être qu'il va me proposer plus. Pas un cheval de joute les amis. Un cheval de joute. Je vous ai dit que j'en cherchais un. Là ça m'intéresse au plus haut point. C'est dommage qu'ils mettent des pets comme ça à côté. Mais cheval de joute les amis, il y en a qui vont me dire ça vaut pas. Mais moi par rapport au temps que ça me coûte au final, clairement ça vaut. Puisque 150 000 bonbons les amis, c'est énorme. Là j'ai juste à mettre 1000 Robux. Eh, s'il y en a un qui me met le cheval de joute avec quelques petits pets sympatoches avec, pourquoi pas. Ah ouais, là il se lâche. Oh là là, ça donne presque envie de le prendre les amis, parce que là le dragon il vaut le même prix, il me donne une potion fly et tout, mais c'est abusé. Le dancing dragon en plus je l'ai plus ce pet, je l'avais déjà trade, je l'ai plus. J'ai juste à m'en racheter un autre en fait en y pensant, et en plus de ça je gagne un pet. Bah franchement là je suis complètement gagnant, j'ai même la potion fly et tout. On va voir ce qu'il va faire, on va voir s'il va accepter ou non. Ah il a refusé. Wouah! Oh, ça envoie là, mais c'est abusé! C'est abusé! C'est abusé! Il me lâche que des légendaires! My god! My god, tous les legs qu'il m'a lâché, le gars! Mais c'est ouf! Oh, tout ça pour avoir ce pet, mais c'est un truc de malade! Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout, mais là, vous pouvez vous gaver, c'est un truc de fou! Pop, 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 les amis, un albino monkey! Alors là, je peux pas refuser ce trade, c'est impossible de refuser ça! Il faut être un malade pour refuser un albino monkey, les amis. C'est ultra, ultra recherché. Et ça vaut ultra cher. Pour le moment, on est en phase d'acceptation. Ah, là, c'est clair que je ne peux pas refuser ça, les amis. C'est un pet qui est très difficile à obtenir, l'albino. Hein. Il n'y en a plus. Et les gens, ils ne le traitent pas comme ça. Donc là, je fais une petite affaire. De toute façon, j'ai juste à en racheter un. N'oubliez pas la règle. Un pet qui est plus dans le jeu vaut toujours plus cher qu'un pet qui est encore dedans. Et cette règle ne changera jamais. Alors je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va accepter ou non? Pouah, Albino Monkey les amis. Albino Monkey. Pouah, 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 pouah. Alors là c'était l'affaire du siècle pour un pet qui est plus... Ouah, c'est énorme. Bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, rien que l'Albino Monkey, ça valait largement le coup de l'échanger. Et surtout que regardez, j'en ai un autre. Mais j'ai un albino en plus, j'en avais qu'un seul en plus de ça. C'est juste énorme. Ce pet, il a une valeur de malade. J'imagine même pas ce qu'il va valoir en néon. Bien sûr, si vous l'avez en néon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'essaierai de voir sa valeur. Bien sûr, je ne l'échangerai pas, sauf si vous me le demandez. Et contre quoi? Mais en tout cas, je vais continuer les trades. Et si j'arrive à faire de nouveaux trades intéressants, je les mettrai en fin de vidéo dans le générique. Je vous dis à la prochaine les amis. Si c'est pas déjà fait, un like, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.